Avec mon nouveau téléphone, comme il est retourné, je n'ai pas encore de retour caméra, donc je ne vois pas ce que je fais. Donc j'espère que tout ira bien dans cette vidéo. La qualité va sûrement changer un petit peu par rapport aux autres vidéos. Peut-être vous allez voir plus de défauts sur mon visage, peut-être pas. Anyway, aujourd'hui je suis là pour vous montrer une nouvelle palette que j'attendais depuis genre un petit moment déjà. Elle est sortie il y a quelques jours, c'est de la marque Too Faced, c'est la Italian Spritz. Alors ça c'est une palette qui sent bon, je savais même pas jusqu'à ce que je la teste. Quand je l'ai reçue à la maison, ça a l'odeur un petit peu, vous savez, un petit peu cocktail orange, quelque chose comme ça. Et j'étais un petit peu triste parce que quand je l'ai reçue, la palette était cassée. Mais heureusement, il n'y avait qu'un seul fard qui était cassé. Et j'ai essayé un petit peu, on va dire, de le raccommoder comme j'ai pu. Donc du coup, voilà la palette, comment elle est. Donc c'est vraiment cette teinte-là foncée qui s'était cassée en fait. C'est arrivé comme ça, cassé, mais c'est pas grave. J'ai réussi un petit peu à, on va dire, à la raccommoder. Les couleurs pour moi, c'est vraiment, ça fait vraiment été. Et puis bah voilà, on va faire un petit look avec quelques couleurs qui sont dans cette palette. J'ai déjà fait tout mon teint, il me manque juste vraiment que les yeux. Alors c'est parti. Alors je pense que pour aller avec mon rouge à lèvres, pour le coin extérieur de mon œil, je vais venir avec la teinte Mamma Mia, c'est celle-ci. Et je vais m'aider tout simplement du miroir pour me maquiller. Ma paupière mobile, je vais venir avec la teinte Gelato. Gelato, c'est comme ça que c'est écrit. C'est celle-ci toute claire. Et en fait, elle va servir à être ma base avant d'appliquer une autre couleur. Ensuite, par-dessus cette couleur, écoutez, j'ai envie de tester la bleue, la Lake Como, celle-ci. Voilà pour le résultat, je vais venir de nouveau avec la couleur claire qu'on a eu avant le gelato et je vais venir ici dans le coin externe de l'œil. Ensuite, en dessous de l'œil, j'aimerais jouer un petit peu avec certaines couleurs. Je vais peut-être venir avec le Lake and Bake. En fait, c'est cette couleur foncée ici, un petit peu qui tire vers le bleu foncé. Donc, on va venir juste ici dans le coin. Je vais vraiment mettre un chouïa, vraiment un tout petit peu. Je vais terminer par le reste ici en dessous de l'œil avec la teinte Caprifone, que cette espèce de jaune moutarde, et je vais venir en fait estomper et mélanger un petit peu avec l'autre couleur qu'on a mis, donc toujours en dessous de l'œil. Et voilà le résultat. Je vais venir appliquer mon eyeliner ainsi que mascara et on viendra tout de suite.
Et voilà notre look final. J'espère que ça vous a plu. J'ai mis en plus de ça des fossiles. Donc voilà un petit peu le résultat. Moi je trouve que c'est super cool un petit peu le mélange que j'ai fait. C'est pas tous les jours que je fais des... Voilà, que je mets 4, 5, 6 couleurs sur moi. Mais là comme j'avais envie de tester la palette, voilà. Vous ferez également des swatchs à la fin de la vidéo, comme ça vous pouvez voir toutes les teintes, toutes les couleurs. Ce que je trouve sympa voilà, sur cette palette, c'est qu'il y a quand même pas mal de couleurs qui sont des couleurs nude. Vous avez du irisé et du mat, donc vous pouvez bien jouer avec les couleurs. C'est une palette que vous pouvez l'avoir vraiment, je dirais, printemps, été, après bah, quelques couleurs un peu plus foncées pour automne, hiver, mais c'est vrai qu'il y en a très peu. Mais voilà, ça reste quand même dans les couleurs chaudes, dans les couleurs, quelques couleurs vives. N'hésitez pas à le faire, c'est gratuit et ça me fait super plaisir. On est bientôt dans les 1000 abonnés et franchement c'est grâce à vous et je suis super contente parce qu'on fait partie en fait d'une petite famille. On se retrouve dans une prochaine vidéo et je vous fais plein de bisous. Bye! N'hésitez pas également à activer la petite cloche si ce n'est pas encore fait, comme ça vous avez directement les notifications dès que mes vidéos sortent. Et en barre d'infos, vous avez aussi tous mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, etc. Donc si vous avez également ces réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Je suis très 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 active sur Instagram et aussi sur TikTok. Donc voilà, si vous avez ces deux, ce serait super de me suivre. Alors voilà, je vous fais des gros 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 bisous et puis je vous dis à une prochaine vidéo.